Sur le tapis, c'est propre. Kirsty, je veux bien que tu aides, mais quand je suis là, je dois te superviser, d'accord? Pas de nettoyage sans supervision. Est-ce que tu peux l'éteindre? Ça te dérange? Tu veux venir jusqu'ici pour qu'on en parle? Arrête, Toby. J'essaie de jouer. Fiche-lui la paix. Laisse tomber. Eh, hey, pulsion de mort. Par ici. Ne fais pas attention à elle, elle a des problèmes émotionnels. Va mourir ailleurs, Anna. Je fais de mon mieux. Qu'est-ce que tu joues? Ça? Aria pour Delphes, par... quelqu'un. Je sais pas. Jamais entendu parler. Tiens, prends un siège, je vais te montrer quelque chose. Tu vois ça, là? C'est simple. Quatre notes. Bam, bam. Bam, bam. Je joue le reste. C'est parti. Non, 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 non! Pas de ménage! Pas de ménage sans supervision! Ça va aller, ils diront rien. Non, 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 tu ne sais même pas. Kirsty, Kirsty, du calme! Non, non, Alaine! 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 Du calme! Non, lâche! Lâche-moi! Lâchez-moi! Allez, lâchez-moi! 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 Je suis calme! Je suis calme! Elle a rien fait! Pitié, pitié, je suis calme. Je suis calme. Elle ne pas. Pitié, elle je suis calme. Elle Le sergent Blake est là. On vous attend au bureau central.
Entrez. Seigneur. Erika Mason. Le portrait de ta mère. La dernière fois qu'on s'est vu, tu dépassais à peine le bureau. Je suis Lucien Flowers. J'ai créé cet endroit avec ton père. Je vous reconnais. Vous avez votre portrait dans le couloir. Seigneur, je déteste ce machin. Je ne l'ai pas remplacé pour faire plaisir à ton père. Tu as bien dormi? Je sais qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à cet endroit. J'ai une question à propos de ma mère. Ah, oui. C'est amusant que tu en parles. La nuit de ton arrivée, quelqu'un est entré dans le bureau pour consulter nos dossiers. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais c'est un hôpital. Nos patients ont droit à leur vie privée, quelles que soient les circonstances. Je suis désolée, je voulais pas causer de problème. Ce n'est pas grave, vraiment. Je comprends. Ta mère était épileptique. Quand elle est tombée enceinte, sa maladie a empiré. On lui a dit de rester allongée et elle a démissionné. Elle a demandé qu'on s'occupe d'elle jusqu'à l'accouchement. Tu es née ici, au bout du couloir. Je sais que c'est très difficile pour toi d'être ici, et ce n'est vraiment pas grand-chose, mais je t'ai apporté quelque chose. Ça vient de ton père. Ta mère lui a donné le jour de leur mariage. Je l'ai simplement gardé. Voilà. Je suis désolé. Je viens de me renseigner auprès des légistes. Erika, il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué Monsieur Johar. Il y a peut-être d'autres victimes dont nous ne savons rien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Mais Monsieur Flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père. J'ai des flashs. Des cauchemars. Une silhouette, une femme armée. Et c'est tout. C'est comme une thérapie. Elle a été développée par ton père et elle pourrait te soulager de tes cauchemars. C'est 100% indolore. Sans aucun risque. D'accord. D'accord, je vais le faire. Les images que vous allez voir sont conçues pour vous relaxer et vous ouvrir l'esprit. Votre père a conçu la régression thérapeutique pour aider les patients traumatisés. La première n'est qu'un test. Quand vous la voyez, dites ce qui vous vient à l'esprit. Bleu. Très bien. Bon. Si vous pensez à une chose importante, écrivez-la. Je sais que c'est dur de revivre un traumatisme, mais c'est sans danger. Commençons. Parfum. Secte.
ferme. Chaleur. Masque. Va bien. Allez, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Vous dessinez. Tout va bien, vous étiez en train de dessiner. Pourquoi l'avez-vous dessinée, Erika? Pourquoi avez-vous dessiné votre mère? Votre mère m'a dit que cet endroit était toute sa vie. Elle travaillait ici. Est tombée amoureuse ici. Tu es née ici. Et puis, elle est morte ici. Le docteur Ballard m'a suggéré de te montrer ça. Tu as été courageuse d'affronter cette épreuve. Je ne suis pas surpris que tu aies vu ta mère. C'est difficile, Erika, ça prend du temps. Je vais réessayer. Tu dois te reposer, t'éclaircir les idées. Nous recommencerons une autre fois. Suis-moi. Je veux te montrer quelque chose. Tiens, tu en auras besoin. Ton père a planté ses lauriers roses à la mémoire de ta mère. Elle les adorait. Elles nous ont toujours porté chance. Dégage! Non mais lâche-moi! Casse-toi! Désolé. Parfois, les filles ont des jours difficiles. Certaines d'entre nous préfèrent ne pas en parler. Anna, je ne pensais pas te voir debout. Voici Erika Mason, elle restera quelque temps avec nous.
Je l'ai sauvé de Toby en saignant héroïquement sur le piano. J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Tu veux venir ? Dégage, c'est quoi ton problème ? Ou tu peux aller tenir compagnie à Toby. En fait, le déjeuner va être servi. C'est très impressionnant. Pourquoi ne pas aller te chercher quelque chose à manger et rencontrer les autres filles ? Oui. Tout le monde adore partager un vieux sandwich mou avec un tas d'étrangers. Je devrais peut-être aller voir Toby. Pas de problème. On se voit un peu plus tard. Erika, c'est très gentil de ta part d'aller la voir. N'oublie pas que certaines de ces filles sont manipulatrices. Fais attention, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu me suis ? Je suis juste venue voir si ça allait. Tu veux qu'on soit amis ? C'est ça ? C'est le déjeuner. Va manger avec les gentilles filles. Je n'ai pas très faim. T'es une touriste. Cet endroit a des secrets. Fais bien attention ou tu risques de souffrir. T'as peut-être raison. Peut-être qu'il me faut un guide. Ah, je vois. Tu cherches l'aventure. C'est ça? Très bien. Suis-moi. Pas mal, hein? Tiens. Un petit quelque chose que j'ai préparé. Qu'est-ce que c'est? Un poison mortel. Je te jure. Fais gaffe, ça arrache. Est-ce que c'est vrai? On t'a envoyé la main de ce type dans une boîte? T'es ici parce que tu te caches? Oui. Ton père était pas une sorte de médecin génial? Il a vraiment fondé cet endroit avec Lucien Flowers? Oui. Et ta mère, hein? Il paraît qu'elle est morte ici. Si, je crois. Ouvre. Tu l'as vu ? C'était pas moi. La fille qui l'a fait est morte. Elle faisait des rêves bizarres. Des fleurs roses qui tombent du ciel. Elle saignait du nez. Et puis... elle a dessiné ça. Elle saignait du nez ? Ouais, comme Anna. Je l'ai pas écoutée. Tout le monde disait qu'elle était folle. Après sa mort, j'ai découvert ça. Vas-y.
vois ça? Le symbole tout en bas. Ça vient d'un ancien temple dans un endroit qui s'appelait Delphes. Ils utilisaient des femmes. Ils les droguaient, comme des fous. Ils pensaient pouvoir leur faire voir l'avenir. Les filles sont tombées malades. Elles ont eu des crises, des attaques, puis elles sont mortes. Tu penses qu'il faut un truc dans ce genre ici? Je sais, ça a l'air fou. Mais... regarde ça. Il y a quelque chose là derrière. Un tunnel ou un truc comme ça. Dis. Tu sais comment Papy Flowers s'est fait tout son argent? Les marchés à terme. Regardez qui voilà. Où est-ce que t'étais passé? Je t'ai cherché partout. T'as du courrier? Ça a l'air cher. Oh, c'est trop beau. Ben, ouvre-le. Vache, c'est affreux. Méfie-toi. La boîte a été expédiée hier. On essaie d'avoir une description de l'expéditeur. Tenez, jetez-y un coup d'œil. C'est la maison de Steinbeck, le responsable de nuit. Nous avons une équipe sur place. Il a disparu. Pourquoi avait-il ce symbole tatoué sur le bras? Il y avait le même sur le panneau dehors. Ça vient du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce. Leur devise était « Connais-toi toi-même ». Ton père pensait que ce serait bien pour nous aussi.
À sa mort, nous avons retiré les panneaux, mais Carl a gardé son tatouage. Il est mort? Il n'y a pas de corps. Mais c'est inquiétant. Et puis il y a ça. Pourquoi envoyer la poupée? C'était un cadeau de Lucien. Il me l'a offert avant la mort de mon père. Eric a passé beaucoup de temps ici et il n'y avait pas d'autres enfants. Je lui rapportais toujours des choses, des jouets ou des friandises, comme cette poupée. On doit retourner à votre appartement. Il faut que vous jetiez un coup d'œil et vérifiez que rien d'autre ne manque. Vous pouvez prendre quelques vêtements et ce dont vous avez besoin. Je pense que vous serez ici un moment. Tout va bien? Désolé. Je vais aller voir si les voisins ont vu quelque chose. Restez là. Fermez la porte. Police! Ouvrez la porte ou nous l'ouvrirons de force. Éloignez-vous, je vais défoncer la porte. Regardez pas. Tout va bien.
doctors,